Hey, salut à tous et à tous, c'est Eka et aujourd'hui une vidéo qui a été très souvent demandée, c'est comment réaliser les défis de l'été cosmique. Et oui les potos, vous pouvez voir que moi je viens de terminer mes défis, on a du coup la planche Lamaesque et on a exactement, on a toutes les récompenses, on a fini absolument tous les défis. Donc je vous rappelle les défis qui étaient en compte, c'était du coup infliger des dégâts dans la guerre des zones en trio et du coup c'était infliger des dégâts dans la tire dans la tête aussi, gagner ou regagner des PV ou du bouclier ou du coup réussir des éliminations. Et du coup les potos, voilà, on a fait tous les défis et je vais vous dire aussi des astuces pour les faire facilement et rapidement. Du coup les potos, d'ores et déjà on va essayer de s'équiper du coup les items qu'on vient de recevoir et je vais essayer du coup de tous vous mettre. Vous allez voir les potos, ça va être assez génial. Donc voilà exactement toutes les récompenses qui vous attendent du coup via ces défis. On a du coup la traînée chute pétaradante, donc on peut voir un petit peu aller comme ça. Franchement je la trouve assez stylée. On a aussi la planche de surf, celle que tout le monde veut parce qu'elle est vraiment géniale. Et on a aussi l'accessoire de dos, le sorbet givré. Attention, le sorbet givré, il y a aussi plusieurs variantes de ce sorbet, donc on peut le voir en bleu, on peut le voir en vert, en orange et en rouge. Et oui les potos, du coup il y aura plusieurs variantes à choper du coup au fil des semaines. Et oui, parce que petit à petit on va avoir plusieurs défis qui vont du coup nous débloquer ces variantes. Ok, on a aussi pareil sur la planche Lamaesque, on a plusieurs styles graphiques. Donc voilà, on a la première, on a la deuxième et du coup on en a pas mal. Regardez, voilà, je vous montre tout avec le Miaouz clé. On a aussi avec le petit poisson et pas mal de petits trucs. Donc voilà la planche poisson hein, globalement. Et on a la dernière, la Midas. Et voilà les potos, donc franchement tout ça, toutes ces petites planches et tout, franchement elles sont sympatoches. Du coup, j'en reviens au fait de comment obtenir tout ça, comment obtenir ces récompenses et comment les faire rapidement. Donc, vous avez donc votre menu de quête et vous avez ici donc toutes les quêtes mises à jour. Moi, je les ai terminées. Du coup, comme je vous ai dit, il y a exactement ces quêtes-là, d'accord, dans ce menu-là. Et du coup, pour faire ces quêtes-là, et ben tout simplement, soit vous allez lancer un mode de jeu du coup zone noire. Donc voilà, donc vous allez voir bio zone noir trio, alors bio zone noir box, etc. Ok, vous allez lancer ce mode de jeu là et du coup vous pouvez, alors petite astuce, vous pouvez inviter autant de joueurs que vous voulez. C'est à dire que vous pouvez actuellement faire ça avec 16 joueurs. Et bah si vous avez 16 amis, vous pouvez inviter vos 16 amis du coup dans votre groupe et lancer malgré tout du coup ce mode de jeu là. Et oui les potos, donc en fait grâce à ça, ça va vous permettre de faire vos défis hyper rapidement. Parce que les personnes qui, par exemple, on a des défis mettre des tirs dans la tête, et bah tout simplement vos amis vont vous se mettre au milieu de la map ou autre, et vous avec le sniper vous allez viser dans la tête tout simplement. Donc en fait si les personnes jouent le jeu et du coup que vos amis va dans d'autres équipes que vous, etc., ça peut aller ultra vite. Ok, alors, ou sinon vous allez directement dans le mode créatif également et vous allez lancer une certaine map. Je vais vous donner le code exact pour lancer la map et du coup faire les défis. Voilà. Et voilà, du coup on se retrouve en mode créatif et tout simplement en fait vous pouvez utiliser la console pour du coup mettre le code que je vais vous mettre juste au-dessus. Et voilà, donc c'est ce code là. Donc vous allez pouvoir voir bio zone wars custom trio, etc. Et vous allez pouvoir charger la map, rentrer à l'intérieur. Et du coup via ce mode de jeu là vous allez pouvoir faire vos défis assez simplement. Voilà, donc je vais laisser charger la map et vous allez pouvoir voir que je vais pouvoir rentrer à l'intérieur et ça sans problème. Et voilà, du coup le mode de jeu est chargé, vous pouvez voir que je vais pouvoir rentrer dedans sans aucune difficulté. Alors si vous êtes 16 bien sûr ça va compter, ok, vos défis vous pouvez les faire en créatif, il n'y aura aucun problème sur ça. Donc après il suffira juste de rentrer dans une des teams, donc 1, 2, 3, 4 ou 5, et tout simplement du coup de commencer à faire le match avec vos amis. Voilà tout simplement.
Et voilà les potos, du coup je suis dans le mode de jeu, on peut voir qu'on est 14 sur 15, du coup c'est bel et bien du mode créatif, et du coup on attend vite fait que la game se lance, et on va pouvoir du coup affronter tout ce beau monde. Et voilà, je suis rentré donc dans la team numéro 4, vous allez voir qu'il y aura pas mal d'armes du coup au sol, vous allez pouvoir les récupérer, vous allez pouvoir même faire un petit peu le con et prendre les armes des autres. Et là on va tout simplement du coup devoir chercher les têtes des adversaires, et de voir un petit peu les affronter. Voilà, donc ce sera une moving zone. Vous allez voir que du coup la zone avance petit à petit et on va devoir affronter les gens. Alors vous allez voir aussi que pour regagner des PV, vous allez pouvoir aussi les donner à vos alliés. Donc voilà, si par exemple je donne des PV à mon allié qui est juste en face de moi, et bah ça comptera, et on va pouvoir du coup essayer d'en tuer un petit peu. Voilà, moi je suis un peu nul, mais bon, apparemment on est tombé sur des mecs un petit peu aussi nul à chier que moi. Et voilà, on a déjà un kill là. Et voilà, deux kills là. Ok, je me suis fait tuer les poteaux. Mais en tout cas, voilà, vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et c'est tout ce qui compte, ok les gars. Donc, en tout cas, je vais quitter le mode de jeu. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir la liker, vous abonner. N'oubliez pas que pour toutes les vidéos défis, aides, etc., on a aussi un Discord que vous pouvez rejoindre, les potos, assez simplement. Vous pouvez le rejoindre donc dans la description. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, merci à tous ceux qui mettront le code créateur Bokuni en boutique. Donc, B-O-K-U-N-I. Et voilà, merci à tous ceux qui le feront, les potos. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, ciao, c'était Icar. À la prochaine, et puis c'est tout. Ciao.